Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Voilà, moi je m'appelle Oum Mariam, je suis Fakirat Kafaria depuis 4 mois. Je viens d'Europe. J'ai pas toujours été musulmane puisque je suis convertie depuis maintenant 8 ans, alhamdoulillah. Donc, comment s'est passée ma conversion à l'islam? Auparavant, j'étais dans un milieu chrétien absolument non pratiquant, donc il n'y avait pas vraiment de spiritualité, j'étais plutôt devenue athée. Et c'est par la science que j'ai commencé à m'intéresser à la création. Je voyais que tout ce qui était autour de moi ne pouvait pas être dû au fait du hasard, parce que comme je suis dans un milieu scientifique, j'ai commencé à chercher sur les atomes de carbone, sur les cycles courts, les cycles longs de carbone, de l'eau, etc. J'étais passionnée par toutes ces découvertes scientifiques et je me suis dit, c'est pas possible que tout ça là soit dû uniquement au hasard. Alors j'étais en pleine recherche. Oui, j'avais découvert que c'était il y avait quelque chose. Je savais pas quoi. Donc j'ai passé des nuits à essayer de comprendre toutes ces sciences. Et voilà, alhamdoulillah, bon bah Allah a mis sur mon chemin à l'époque quelqu'un qui m'a dit oui, effectivement, tout ça c'est vrai, il y a un créateur. J'ai dit, mais ça je suis prête à le croire. Par rapport à l'existence de Jésus, de Issa, j'avais pas eu de doute sur son existence, mais cette histoire de Trinité et tout, pour moi c'était très confus. J'avais pas de doute sur le fait qu'il ait vraiment existé, que c'était une sainte personne, mais plus loin que ça, pour moi, c'est pas logique. Donc quand on m'a dit qu'il y avait un autre prophète, Mohammed alayhi salam, j'étais prête à le croire aussi. Donc c'est comme ça que j'ai mon cheminement dans l'islam, il a pu commencer il y a 8 ans. À cette époque de mon cheminement, comme j'étais très très fort attirée par tout ce qui était scientifique, je voyais Dieu, Allah, dans tout. Je le voyais, je pouvais le voir. Dans le présent, dans les petites, dans les feuilles, comme dans tout l'univers, dans les plantes, etc. Donc, j'étais assez émerveillée encore à cette époque-là. Mais malheureusement, j'ai commencé à rentrer dans un islam où on parlait beaucoup de très très coercitif, où il y avait ce qui était permis, ce qui n'était pas permis, etc. Et mon cœur, qui était vivant au début, progressivement est devenu de plus en plus sombre avec les difficultés de la vie. Bon. Je voyais l'islam comme un ensemble de dogmes qu'il fallait suivre, mais avec tout ça, je n'étais pas heureuse. Il me manquait quelque chose dans mon cheminement. Pour moi, mon islam était tout à fait incomplet. J'ai passé des périodes assez difficiles dans ma vie, comme tout le monde, mais la seule chose qui me tenait debout, finalement, c'était de me lever au dernier tiers de la nuit et de pouvoir faire des invocations. Et c'est ça qui me tenait debout. J'avais été victime de. Enfin, j'étais beaucoup fort malade de sorcellerie, etc. Et donc, c'est vraiment ça qui me donnait un peu d'énergie, un peu de lumière pour pouvoir lutter contre toutes ces énergies négatives, que ce soit familiales ou les énergies négatives venant des djinns, etc. Je commençais à faire un petit peu de dhikr, plus d'istighfar, etc. Et c'est ça qui m'a un petit peu sorti tout doucement de ma situation. Mais bon, malheureusement, mon cœur restait, à part ça, restait la plupart du temps assez mort. Je suis tombée, je vais dire, en dépression. Et pendant ces moments-là, je n'avais plus vraiment goût à vivre. Je me disais, d'ailleurs, là, donne-moi quelque chose d'autre, ou prends mon âme, ou donne-moi quelque chose de meilleur dans cette vie, parce que je ne tiens plus à tout ce que je vois autour de moi. Je voyais que toute cette dounia, ça rime à rien. Je voyais pas de sens à ma vie. Et c'est à ce moment-là, je me suis arrêtée de travailler. J'étais sur Facebook, comme la plupart d'entre nous, hein, on discute. Et puis, j'étais dans un groupe de poésie soufie. C'était à l'époque Ivresse de l'âme, poésie soufie. Et puis, je vois dans ce groupe qu'il y avait des gens qui étaient d'une certaine tarika, Karkaria. Je vais sur le site de cette tarika. Et ce que je vois, ce programme-là qui m'a vraiment marqué, parce que là, c'est là que le déclic qui s'est fait, c'est l'école mohammedienne est ouverte au dernier tiers de la nuit. Et là, je me suis dit, alhamdoulillah, c'est vraiment ça, une école qui a un horaire intéressant, parce que voilà, c'est la première chose qui m'a attirée. J'ai vu comme ils étaient habillés, j'ai dit, mais c'est quoi cette espèce de tenue bizarre là? Et pourquoi ils mettent la photo de leur cheikh partout? Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, alhamdoulillah, je ne sais pas, moi, je ne vais pas juger ce que je ne connais pas. Oui, j'ai commencé à discuter avec certaines personnes. J'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la tarika. J'ai jamais eu d'a priori par rapport au soufisme, malgré le fait qu'en Europe, c'est pas toujours évident. Les gens sont très très limités dans cette façon de penser. Et j'ai fait la prière de consultation pour voir si moi aussi je vais suivre un chef, parce que j'avais toujours ce cœur complètement mort. Et
De temps en temps, je sentais mon cœur qui redevenait vivant grâce à la prière de la nuit. Je sentais la présence d'Allah partout, mais c'était pas très fréquent. Et à part ça, il n'y avait rien d'autre dans ma vie. Donc, je trouvais pas de goût vraiment à cette vie sur cette terre. À part ces moments de relâchement total où je pouvais me laisser aller dans la présence divine. Mais je dis toute seule, j'y arrive pas. Et je voyais qu'on pouvait se faire aider, qu'il y avait des gens qui avaient un niveau spirituel bien plus important, bien plus élevé, qui pouvaient nous guider dans ce cheminement. Donc je fais la prière de consultation, on se prend en un pour voir si je vais suivre un chèque, et 2 heures après, j'avais la réponse. Quelqu'un qui est arrivé et qui m'a dit « Ah ben, si tu veux sortir de tes problèmes, il faut que tu trouves un chèque. » J'ai dit « Prends en un, je viens de demander ça, j'ai eu la réponse tout de suite. » Puis voilà que je me remets sur Facebook, ta-ta-ta. Et je ne sais plus dans quelle conversation, il y a un frère, un fakir d'Algérie, ce prénom-là, je ne m'oublierai jamais, qui me dit, un fakir qui s'appelle d'ailleurs Sarnoun, et ça, au passage, je le salue bien fort parce qu'il m'a toujours donné de bons conseils et ça m'a beaucoup aidé pour ne pas me faire avoir par toutes les illusions pour arriver jusqu'à Sidi Cheikh, tous les blocages que j'ai pu vivre jusque-là. Il me dit, il y en a un qui est le revivificateur du siècle. Je dis, tiens, c'est un truc que j'ai déjà entendu quelque part. Je me souvenais de l'histoire de Sidi Cheikh Al-Alaoui, que j'aimais beaucoup. Et donc, il m'a parlé de Sidi Cheikh et je me suis dit, tiens, j'ai commencé à discuter avec mon mari. Et je dis, voilà, écoute, moi, je voudrais rentrer dans une tariqa et je crois que j'ai trouvé celle dans laquelle je veux aller. Il m'a dit, ok, ça va, si on en regarde un petit peu, oui, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, on ne va pas s'arrêter aux apparences, on va aller. Donc, voilà, je prends contact avec la Mokadima ici en Maroc, et je vais organiser mon voyage pour la mi-avril. Et ce moment-là, voilà que 15 jours avant, Sidi Cheikh venait en Europe, donc pas loin de chez moi. Je voyais que je pouvais organiser une visite à Lille, et c'est là que je suis allée jusqu'à Lille, et j'ai pris la Baïa, donc il y a 4 mois déjà, à Lille, avec Sidi Cheikh. Donc la Baïa, ça s'est passé comment? Voilà, et bon, il vous donne le pacte dans une pièce sombre, et puis il commence à vous demander de faire des serfars pour voir si on arrive à voir la lumière. J'ai commencé le wirt un mois avant. Puis quand, avec les fakirs là-bas dans la pièce à côté, puisque j'étais la seule sœur, j'ai pu faire le wirt aussi en même temps que le fokara. Et le fait de pouvoir faire le wirt en groupe, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était la première fois que je pouvais le faire comme ça, et donc il y avait quand même déjà de la lumière qui pouvait se manifester. Donc je suis rentrée chez moi, la lumière elle allait, elle venait, parfois ça venait plus, parfois ça venait pas du tout, donc c'était pas tous les jours très très facile, hein. Faut pas croire qu'on a une vision, en tout cas pas moi, une vision éblouissante depuis le début. J'ai jamais eu beaucoup de visions, non. 15 jours plus tard, je suis venue à la Zaouïa pour passer une semaine. Là j'ai vu comment s'organiser la vie ici. Je suis venue d'ailleurs avec ma petite fille parce qu'elle n'avait pas trop d'autres solutions, et j'ai participé un peu à la vie de la Zaouïa. Et une nuit, là j'ai commencé à avoir plein de visions. C'est vrai que c'était des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il y avait beaucoup de lumière. Ça m'a fait peur même parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. À part ça, bon ben voilà, j'ai passé une semaine, j'ai pu rentrer chez moi en Belgique. J'ai eu des contacts avec d'autres frères qui étaient avec mon mari, d'autres frères qui étaient dans la tariqa aussi. On a pu organiser des petites réunions, donc là on a pu commencer à continuer à répondre à mes questions, et j'ai prévu un autre voyage maintenant au mois de juillet, parce que Sidi Cheikh m'avait dit que je pouvais éventuellement faire la Rolwa au mois de juillet. Donc, je voulais de toute façon pouvoir passer un petit peu plus de temps avec au sein de la Zaouïa, pour essayer de progresser un peu et essayer de rabaisser ma nafs aussi. Donc voilà, j'ai fait ce voyage. De là, après, j'avais prévu 15 jours, après 8-9 jours, Sidi Cheikh m'a proposé de rentrer en Rolwa. Alors ça me faisait très très peur, j'étais pas du tout prête à ça, parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer. Il fallait bien y passer de toute façon, c'était un passage obligé pour la progression. Alors, la Rolwa, c'est pas très marrant. En fait, c'est pas très facile, puisqu'on doit rester presque immobile. En fait, on est dans une pièce dans l'obscurité, il fait chaud, on est en plein mois de juillet. Donc, au Maroc, c'est quand même pas très très facile de rester enfermé sans bouger pendant plusieurs jours. À cause de la chaleur,
À ce moment-là, c'est Dieu qui m'a donné le nom Allah. Donc, je devais dire Allah, Allah, comme ça pendant des heures et des heures. C'était pénible, avec des crampes un peu partout, mon nafs qui voulait pas cesser de faire. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise à insulter ma nafs pour qu'elle se calme, parce que de toute façon, si tu le fais pas cette fois-ci, tu vas recommencer. Donc, tu es obligé de rester, tu veux pas bouger. C'était un combat, hein. C'était un véritable combat le premier jour. C'était, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Je veux rentrer chez moi. J'ai dit, tu restes, tu restes, tu restes. Donc, j'ai dû me battre. Là, après 24 heures, je voyais la lumière. Hein. Pendant le début, je voyais la lumière. Mais c'est Dishé qui m'avait expliqué, voilà, tu dois voir certaines choses. Il m'a expliqué un hadith aussi qui concernait la lampe et les cieux, etc. Donc, après, je dirais 24 heures, là, je faisais des petits voyages en vision. Je voyais pas mal de couleurs qui bougeaient, pas de vision très très nette de choses créées. Bon, j'ai bien vu la Mecque, j'ai bien vu un bébé, j'ai bien vu quelque chose qui ressemblait à un soleil, j'ai bien vu la lune passer, mais je me suis pas attardée à ça. Donc, je me concentrais surtout plus sur ce qui était la lumière. Alors, je suis rentrée en Rollois minuit à minuit. Là, j'ai dû faire du dhikr jusque Fajr. Après, j'ai pu dormir jusque midi. J'ai continué à faire du dhikr jusque Isha. Et c'est le lendemain matin où, après Fajr, j'ai recommencé le dhikr, donc pratiquement au troisième jour. Et là, toutes mes visions se sont rassemblées. J'ai vu des lumières qui tournaient. J'ai vu énormément de lumière à un moment donné. Et puis ce que j'ai vu, c'est toute une assemblée de gens, avec au milieu une personne plus grande et blanche, ou presque lumineuse, mais plein de gens autour de cette personne, beaucoup plus gris, je veux dire. Je me suis demandé, c'est quoi ces gens? Et puis tout d'un coup, j'ai vu Sidi Cheikh assis. Et je me dis, tiens, c'est Sidi Cheikh. Et puis après, j'ai dit Sidi Cheikh Ala Laoui. C'est là que j'ai compris, subhanallah, que je devais être devant le prophète, alayhi salam. Et que tous ces gens autour, c'était les prophètes, les messagers, les sadiqines, salihines, les bienheureux, tous ceux qui étaient là-bas au 7e ciel. J'ai dit, bon, bah, je crois que je suis arrivée à ce qu'ils voulaient me faire voir. Je me suis mise à pleurer. Chaque fois, j'y repensais, j'essayais de refaire. Après, évidemment, la vision, elle est partie. Bon, je ne voyais plus la même chose, mais je voyais toujours plein, plein de lumière. Les yeux ouverts, les yeux fermés, il y avait de la lumière partout dans la pièce qui clignotait. C'était extraordinaire. Pour arriver à ça, il faut quand même travailler pendant plusieurs jours. Mais là, ça valait la peine. Et donc, je dis, bon, ben là, je crois que maman va venir me chercher. Mais non, il n'est pas venu me chercher tout de suite. Donc, j'ai dû continuer. Et je voyais toujours cette lumière partout dans la pièce. Et donc, après Asr, il m'a. Un petit peu avant Asr, il a dit que la Khulwa était terminée, et là, il m'a donné le premier secret, Alhamdoulillah. Et voilà, donc j'étais là pour vous témoigner que tout cela, je l'ai vécu. Bon, pas mon visage, parce que j'ai pas envie qu'on sache qui je suis, mais ça, c'est mon choix. Et puis, bon, mais je ne mets jamais mon visage sur Facebook, il n'y a pas de photo de moi, je ne vais pas commencer à mettre une vidéo non plus. Mais tout ça, je l'ai vécu, Alhamdoulillah, c'est vrai. Je veux dire que tous ceux qui disent que c'est de la sorcellerie, bah, vous pouvez le penser, c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai jamais vu, j'ai été victime de sorcellerie très longtemps. Bah, on me disait pour me soigner de la sorcellerie que je devais répéter souvent Ayat al-Kursi, bah, on doit le faire ici après chaque prière, on doit faire du dhikr, on doit lire le Coran 2 hizb par jour, on doit lire en plus 6 sourates tous les jours. Bon, je crois pas que les sorciers demandent ça, mais bon, en même temps, vous pouvez, si vous vous posez des questions, bah, venez d'abord voir la pratique que nous on a dans la tariqa. Soyez honnête avec vous-même, vous cherchez. Vous demandez ce qu'on fait, vous voyez, c'est le même Coran, hein, il n'y a pas de problème. Je dis le même qu'avant, ils n'ont pas changé. C'est le même Coran depuis ma conversion, il est fort abîmé, mais on ne lit rien de plus. Le dhikr, c'est du dhikr qui est légiféré. Il y a des formules de protection qu'on fait justement quand on est malade de sorcellerie, etc., qui sont comprises notre dhikr, dans le dhikr quotidien. Ben voilà, si vous pensez que c'est de la sorcellerie, ben, il n'y a pas de problème avec ça, nous, en fait, on s'en fiche, ça nous fera rien. Mais si vous êtes un peu curieux, ben, on vous invite à venir voir ce qui se passe ici, il n'y a pas de problème, alhamdoulillah. Et par rapport à ceux qui disent qu'on doit donner de l'argent pour la tarika, ben, je sais pas, moi, quand vous allez quelque part, vous apportez peut-être pas de cadeau, je sais pas, si vous êtes logé, nourri pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, ben, c'est un peu normal de participer à votre logement, à votre nourriture. On ne vous le demande pas. On vous le suggère, c'est vrai,
Mais ça fait peut-être partie des règles de bienséance, parce que je vois pas non plus partir en vacances quelque part sans rien apporter, en vivant comme des parasites sur le dos de votre autre. Ça se fait pas. Donc ça, c'est juste de la bienséance. Maintenant, on vous demande pas de donner tous vos salaires. Non, on vous demande juste de participer. Donc c'est un peu normal pour quelqu'un qui essaye d'être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui essaye de vous aider dans votre cheminement spirituel, qui essaye de vous enseigner l'amour d'Allah, qui vous essaye d'enseigner à être meilleur, de donner un petit peu de votre propre personne. En même temps, si vous ne faites pas d'efforts, vous n'aurez peut-être pas non plus une progression très rapide. Donc c'est d'abord sur vous-même que vous faites un effort. C'est pas le cheikh, il n'a pas besoin de vous. Donc voilà, c'était juste mon témoignage. J'espère que ça va pouvoir en éclairer certains. Mais tant pis pour ceux qui ne sont pas éclairés. Ben. Alhamdoulilah, donc Allah nous guide et nous élimine tous. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.